Hey cucu mes petits culs et bienvenue sur ce nouvel épisode de Crux the Big High. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin ou en tout cas en un quelque jour que vous regarderez peut-être cet épisode. La dernière fois j'ai eu chaud aux fesses et pas que. On a réussi à démanteler ce petit bout de truc là qui fut bien complicado mais qu'on a réussi sans se faire choper. Il y avait trois trucs à faire, plus un safe avec un gain qui a un tour de garde très petit machin, mais avec un poète-poète, on avait réussi à le faire se barrer de là, quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec trois protagonistes ici et le petit robot qui est là. Et l'objectif étant ici, on en est tout près, sauf que si tu peux pas te pousser une porte et d'y arriver, ça va être un peu plus complicado. Ouais, je sais pas encore comment trop je vais faire parce que t'as ce monsieur qui bouge pas. Il bouge pas et le problème c'est que il est. Il regarde face et moi mon Rufus il arrive face aussi. C'est-à-dire que si je le fais arriver comme ça, c'est mort. Il pourra jamais. Voilà. Ça risque d'être compliqué. Mais de toute façon, premièrement, on va s'occuper des caméras. Là, on a deux caméras qui sont bien chiantes et elles sont désactivables ici. Et je pense que je vais envoyer le robot, puisque forcément, lui, il passe à travers tout. Et c'est beaucoup plus simple. Là, lui, il va passer par là, donc je vais pouvoir le faire passer par là. C'est beaucoup plus simple si lui, il va désactiver les caméras. Je peux appeler... Waouh. C'est quoi ce... Il nous a fait un twist, là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te tournes comme ça, mec? Voilà, on a déjà plus de caméras qui nous enquiquinent. Ensuite, je me suis dit... Lui, il bouge pas, il sert un peu à rien. Va là, s'il te plaît, mon petit robot. Mais non, pas par là, mais t'es con. Ici, Jean-Jacques... Tant que l'autre, il revient pas. Je veux voir ce que ça fait, parce qu'en fait, ça a tellement connecté à tellement de trucs... Il y avait un laser comme ça, ça a rendu le laser comme ça. Très bien. Quoi d'autre? La porte était déjà ouverte. Trop vu. Ah, ça a allumé un laser là. Attends, je reclique. D'accord. Ça a enlevé le laser ici, mais ça a allumé un laser là. Le laser a changé ici. Ah, le laser ici était éteint, mais par contre on allume un laser. D'accord, ok. En fait... Et ça a ouvert la porte là. Parce que je pense que Rufus... S'il faut... gérer ce mec... Il faut qu'il arrive par derrière. Le souci c'est que du coup, moi je l'ai... Il est là, c'est-à-dire qu'il faudrait que je le fasse se taper... Tout le truc... En arrière. Après, j'ai une porte qui est là. Une porte qui est là. Il y a moyen que le coco... Il se faufile. Et de toute façon, j'ai une fourche de Tesla aussi. Hein, qu'il faudrait peut-être que je la fasse fonctionner avec Bishop. Donc en gros, il faudrait que je les fasse tous passer. Et en même temps, on serait safe ici. Hein, il n'y a personne. Sauf que t'as Jean-Claude Duss là, qui revient. On va attendre. Le problème, c'est que quand lui part, lui va revenir. Sauf que lui, on peut agir dans son dos. Lui aussi, tu me diras. Bon, on va voir comment ça se passe. Là, Nono, il risque rien parce que le gars, il passe ici. Et là, eux, ils risquent rien non plus. Parce que l'idée, ce serait... Tiens, je vous explique. Là, ça ouvre. Il faudrait que quelqu'un reste là. Cléo, je la fais rester là. Oh la vache. Cléo, je la fais rester là ou alors j'enverrai le robot. Faudra que j'envoie Bishop. Oui. Et lui, eux, ils vont aller par là.
Putain, il m'a fait peur lui. C'est vrai que lui, il va pas aller plus loin. Ok. On pourrait même aller tout de suite. Je suis en train de vérifier. Je l'ai fait aller là. Comme ça, tac. Je pense. Allez. C'est quoi le topo? Oh, le topo, il va être complicado. Il est où l'autre? Il est là-bas. Donc on aura le temps quand même de repasser. Et une fois que t'as fait ça, tu vas là. Toi. J'ose, hein. Je sais même pas si je vais réussir. Hein. Faut que je fasse gaffe parce qu'en fait, faudrait pas qu'il se... Tu vas venir là. Oh là là. Tente le tout pour le tout. Hein. Ça se passe bien. Et merde, ça a fermé la porte. Ouais. Ne vous inquiétez pas, hein, ça a pas bugué, c'est juste moi qui ai bugué en fait. Et là, je suis dans la merde parce que ça veut dire que... En fait, ça sert à... Attendez. J'aurais pas dû faire ça, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ce n'est pas mon domaine. Au travail. Lui, il le verra pas. Par contre, l'autre, il est en train d'arriver. Donc j'ai intérêt à faire quelque chose rapide. Il va pouf regarder comme ça. De planquer là. Non. Si, quand il va faire, mais après, il pourra pas... Mais de... Ouh, il va le voir! C'est qui, toi? Ah bah voilà. Ah. Chouette! Des entrées! Ouh bah... C'est lui, va-t'en. Hein? C'est pas partie du plan, ça. Mais de... Ouh, le nono, il s'est fait choper! Compris. Pourquoi le robot il s'est fait avoir? Ah bah non, là je sais pas. J'ai pas compris. Pourquoi? Parce qu'il est trop loin pour se faire choper, je comprends pas là. Mais c'est trop con que la porte se soit fermée. Pourtant ce truc là il a été désactivé, je l'ai réactivé. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bon, alors, Bishop, tu vas partir là. Il te verra pas. Mais par contre, quand il va repartir... Faudrait que je le planque là. Bon, on va faire ça comme ça.
Non mais lui, ouais. C'est tout juste Augustin. Sauf que je l'ai coincé. Attendez, je vais le mettre là comme ça. Porte interrupteur. Ah mais ouais, mais c'est chiant là. La seule solution pour Bishop. Ouais, je vais le refaire. Oui, de toute façon, lui, c'était pour sa fourche Tesla. Hein. Une fois que j'aurai mis par terre lui, là, on pourra les faire venir. Donc, normalement, c'est bon. Normalement, on est bien. Oui. Ah, normalement, on est bien. Loul! Je ferai repartir, ouais. Là, je m'intéresse à Bishop. Normalement, il va pas se faire voir. Wow. Mais regardez, il a des... Il est flippant. Ok, on est bien. Bon. J'ai ramené Bishop à la maison. Du moins, un peu plus... Un peu plus sûr. Vous allez venir tous les... Bah non. Non, tu vas revenir par là. La porte est ouverte. Ouais, ok. J'ai comme prêt. Là. En tout cas, pour commencer, vous allez là. Parce que après, il y aura un laser là. Et s'il faut activer la porte. Je préfère qu'ils soient tous les deux de ce côté-là, en fait. On va y arriver. J'ai envie de finir la mission aujourd'hui. Sachant que le mec, il est déjà en train de revenir. Dans un certain sens, je vais pas pouvoir faire maintenant toute ma démarche. Je préfère encore qu'il s'en aille. Qu'il parte tout jusque là, Rufus entre, le fout par terre et qu'on fasse tout ce qu'on doit faire. Mais pour l'instant, et puis Nono, je suis obligée de le garder là, il va désactiver, activer tout le merdier en se mettant là. Parce que maintenant, c'est vert, donc ça veut dire que ça... Oui, qu'il y a que les lasers que je peux faire. Après, j'ai les destructeurs, hein. Je suis en train de réfléchir, mais normalement, ça passe. Hein. On va attendre que lui, il arrive et qu'il reparte. Voilà. Bon, sinon, ça va ? Vous allez bien, tout ça, vous êtes en forme. Vous avez bien dormi. J'ai vraiment pas compris tout à l'heure comment le nono, le robot, il s'est fait choper parce que il était dans le cercle rouge de personne, donc. Ouais. Celui, quand il va repartir, il va les voir. Hein. Il va complètement les voir. Alors ? Du coup, vous allez aller là. Je suis prêt. On va jouer, hein. Et après, on attaque les choses sérieuses. J'attends qu'il passe la porte. Ok. Donc là, de toute façon, on est safe. On va faire notre Rufus national qui va le frapper. Ce sera une première étape. C'est bizarre, toi. Je suis trop con. Mais je suis trop con. J'ai oublié le laser. Oh, c'est pas possible. Bon, allez. Okay. On fait quoi maintenant ?
tu laisses faire. J'ai pas fait gaffe. Oups, bah moi non. Et moi je suis là. Enfin, j'ai réfléchi, normalement c'est bon. Oh là là. Faut déjà que avant que je fasse le nono robot pour qu'il change les lasers. Et ça devrait être bien. Je me complique les trucs, moi. Pouvez-vous moquer? Pouvez-vous moquer? Toi, tu bouges pas, Rufus. Ok. Donc. Sauf que le problème, c'est que lui, il revient. Ça, c'est chiant. Bon, après, le tour de garde est long. On va attendre qu'il ait... Bon, lui, il s'en va. Putain, mais ouais, mais c'est... Dans ce cas-là, je le fais maintenant. Lui, passe. Il lui fout un coup. Il le punch. C'est bon. Tu peux t'éloigner. Comme ça, en fait. Le temps que lui, il est là, on avance déjà un peu ici. Qui je vais mettre là? Qui c'est que... En fait, je peux pas... J'ai même pas les bottes ni rien là. Je peux pas passer en fait. Je suis dans la merde. Les bottes... Je sais qu'il y avait un item bot. Je sais même plus où c'est. En fait, il faudrait limite que... Il y a le robot qui passe, mais moi je peux pas. Hein. Je vais pas pouvoir passer. Ah, mais non! J'ai pigé. Bon, putain, mais j'ai besoin des 4. Comment je vais faire cette histoire, moi? Parce que lui. Attendez. Le robot, est-ce que j'ai besoin de le refaire venir? J'ai envie de te dire, peut-être. Ça, mais lui, il peut passer. Et ce serait le seul qui est là. Mais ça, ça se désactive. Je peux désactiver. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes, parce qu'il faut qu'il y ait une personne qui se mette là. Pour ouvrir la porte. Le robot... Le robot, ouais. Je vais le faire revenir. Une serrure à crocheter ? C'est quand vous voulez. Ça, je la fais passer, elle. De toute façon, ça sert à rien. Je dois faire mon robot. Il faut qu'il change les lasers. C'est un truc tellement compliqué. Parce que pendant que Rufus, il est en train de l'assommer en fait. Après, il peut quand même bouger. Mais je suis con. Lui, il peut passer par là, après on s'en fout. Non mais... Réfléchis, gars. Faut pas... Mais non, mais pas par là, Nunuche. Pas que j'oublie aussi que le gars, il va finir par revenir. Là, il est pas encore, mais... Faut qu'on fasse ça bien et compris, on trace par là ou... Bah non, la sortie, elle est par là. Elle est là. Au pire, on fait tout le tour, hein. C'est pas ce qui est le plus compliqué, hein, de l'autre côté. On a que ça, et on a un laser, on a encore des destructeurs, donc c'est pas un souci. Coureuse parée. Mais si, il nous faut quelqu'un pour ouvrir la porte.
Je me complique la tâche. Je sais pas comment je fais. Je sais pas. Oh, je suis complètement confuse. J'arrive pas. Ou alors je fais détruire le laser, comme ça on n'en parle plus. Il peut passer. Il active ça. Ça revient au même, non? Moi j'ai besoin du robot. Un robot, viens. À un moment donné, je peux pas faire autrement. Hein. Pas comment je fabrique mon truc, mais je sens que je me complique la vie. Tu vas faire ça. Mais non, mais il me faut quelqu'un là. Oh là 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 là. C'est quand vous voulez. C'est un carnage. C'est un carnage. C'est un carnage. Je sais pas comment m'y prendre. Tu sais quoi? Tu vas finir par revenir. Mais c'est un carnage, je sais pas. Il me faut quelqu'un là pour ouvrir la porte. Le problème, c'est que j'ai ça. Ça, ça se désactive. Et puis, quelqu'un là et quelqu'un là. Oh là là. Là, ça a refermé la porte. Oui. Donc quoi? C'est soit ça, soit j'abandonne. Le gars, il va revenir. Lui, il sera dans le pâté, il va se réveiller, ils vont aller regarder partout. Moi, je peux déjà planifier un plan de recul par ici, mais j'ai encore deux destructeurs de laser, donc je pourrais vraiment repartir, me planquer. On va essayer de faire ça. Ça, je fais un backup avec lui qui voulait déjà la porte, parce que... C'est ça que j'ai du mal là. Et là tout est ouvert. Je suis prêt. Mais le mec il revient. Hein. Je pars. Je peux pas faire autrement. Lui il va dire oh, j'ai été assommé, il va dire putain tu dors, t'abuses quoi. Ouais, il va venir jusque là. Ils vont pas rentrer, ils vont pas venir là. Ils vont venir là. Bon, écoutez, hein, fais ce qu'on peut. Alors, si tu bouges là. Attends, elle va bouger. Ok. Il faut vraiment être deux dedans. Bishop, tu vas venir là. Comme ça, au moins pendant ce temps-là, je fais ça. C'est bon, hein, ils vont pas venir. Non, c'est bien.
Faut que je reprenne la patrouille. Oui. Oh la vache. La substance est en place. Enfin, je crois. Parfait. Reste plus qu'à passer par la porte latérale. Ok. C'est quand vous voulez. On est bien, on est bien, on est bien. Du coup, maintenant, on peut aller là. On a fait ce qu'il fallait ici. Il faut juste qu'on ouvre la porte. Ça, c'est Nono qui nous ouvrira la porte. Mais il faut aussi réassommer le gars. Comme lui, il vient de repartir, je peux redemander à notre ami de revenir. Bon, je m'en sors mieux que ce que j'aurais cru. Hein. Donc, tu vas le frapper. Bon les gars, on fait comment maintenant? On part dans quel sens? Parce que c'est complètement à l'opposé. Et parce qu'il faut éviter ce mec là. On a trois destructeurs de barrières. On a de quoi faire. On a grave de quoi faire. En plus on peut sortir par là. J'ai envie de dire on est safe. Les gars, on a fini la mission. Oui. Au travail. C'est satisfaisant. Ouais. Coureuse parée. Tous. Oui. On va venir tous là, les enfants. Ouais. Oui. J'attends que Rufus passe par là. Après, c'est pas très très grave, il passera par là, c'est aussi bien. Non, il peut rien faire. Comment il fait pour déposer, pour utiliser ça? Tu vas utiliser ton truc. C'est peut-être pas forcément comme ça que tout le monde aurait fonctionné. Mais on y va. C'est comme ça que moi je le fais. Alors, même pas en rêve. Je me souviens plus jusqu'où il voit le gars. Ah ouais, il y a de la marge. Ah, c'est parce qu'il se réveille. Oh, mais on est loin. C'est quoi le topo? Surtout que Bishop, il est tellement lent. Il va où? Il va là. Ouais, en gros, il est inutile. Il est useless, ça, ce garde. Regardez, attention. Ok, go. Je vais faire Bishop en prince parce que avec ils sont pas des rapides. Je fais jusque là parce que là il faut qu'on gère. Lui il est là-bas. Là-bas. C'est bon, ils sont tous passés. Ça c'est good. C'est quand vous voulez. Tu vas faire ça toi. Je suis prêt. Oh putain. Ouais, va falloir. Backup, backup. On y va. Retourner en arrière. Parce que il arrive. Je préfère la jouer safe, hein, parce que. Ouais, c'est ça par toi. Là, c'est bon. Après, on passe par ici. Bishop, il ouvre la porte et on est à la sortie. Il échappe pas. Oh, ce parfum de victoire. Ça me plaît. Voilà, nickel. Oui. Petit Bishop deviendra grand. Parce que tout à l'heure on avait une caméra ici qu'on a désactivée. Donc c'est beaucoup plus simple. On peut passer hein, j'espère, parce qu'il y a des ordures. C'est quoi, c'est des magazines? C'est trop marrant. Ok, c'est ouvert.
Vas-y, ouvert, on peut y aller. Alors ? Alors, bah, je suis soulagée. Si tout le monde sort bien, allez. Serrure accrochée. Allez, les enfants. Coureuse parée. Vas-y, c'est la dernière. Oui ! On a réussi. 38 minutes 53 quand même. 7 sur 7, un coffre sur 3, 3 safes sur 3. Discret. Ouais, j'ai pas. Voilà. Quand même. Nouveau record du score Crooks. Waouh! Récompense de casse 36 000. Et un argent volé. 12 300. Ça, c'est quand même pas mal. Pot de vin, 2160. 55 940. Ouais, enfin, tous ces chiffres, je sais pas. Moi, ça me parle pas trop, mais bon, c'est déjà bien. Il y a que les chiffres en haut, en fait, ceux-là qui sont pour moi les plus importants. Alors, challenge ça, je verrai à la fin. De l'art ou du cochon. Super. Et c'est tout, je pense. Allez, on va retourner à la carte de la ville pour voir la petite cinématique. Quand la clim aura tourné pendant quelques heures. Vous imaginez la gueule que va tirer Flamingo en ouvrant sa boîte ? L'air sera tellement saturé d'agents chimiques qu'il ne cherchera même pas à savoir pourquoi il y avait du courant. Je suis sûr qu'il s'estimera chanceux. Probable. Et puis, ils vont faire la bringue du siècle, les marins et lui. Quand on ira chercher le sous-marin, il restera plus qu'une poignée de soldats à Fort Chisel. Mais ce sera la crème de la crème. Il faudra qu'on se surpasse comme jamais. Ça va être dur, je pense. C'est exactement ce qu'on compte faire. Ah, ça va être compliqué la prochaine mission là. On arrive vraiment à la fin. Nom de code Blowfish, difficulté du casse 4 sur 5. Mission 16. Il me semble qu'il y en a 17 mais ou 18. C'est-à-dire que la dernière sera 17 là, mais j'ai cru voir que c'était 18. Donc en fait, je sais pas. Il y a peut-être entre deux, hein. Il y a peut-être un truc entre deux que là on voit pas. Mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir regardé. Passez un très très bon dimanche, ou en tout cas le reste de la journée le jour où vous regarderez. Je vous fais très très gros bisous et à très bientôt pour la suite de Crooks ou autre chose. Ciao.